Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'il est reproduit en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. C'est parti pour cette rencontre. Et ils essaient de repartir de derrière. Il a choisi de jouer long. Il est bien placé. Il relance côté droit. Le centre est tendu. Coup de sifflet, hors jeu. Ferrari. Grujic. Duda. La frappe. Mais le ballon a franchi la ligne. J'ai cru que ça allait déjà faire mouche. Il s'enfonce côté droit. C'est joué dans la profondeur. Il déclenche son centre. L'interception, bien joué. Frosinone qui récupère ce ballon. Attention au centre. Frosinone insiste sur ce côté gauche. On voit bien qu'ils ont disséqué le jeu de l'adversaire. Attention à ne pas attaquer toujours du même côté quand même. Après, je sais pas, c'est peut-être une tactique brillante pour ouvrir des brèches de l'autre côté. Il décide d'allonger le jeu. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Le Torino qui essaye de construire. Grujic. Bien joué ça. Il est repoussé par la défense. Il va frapper. Oui, il peut frapper là. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il cherche son coéquipier. C'est reparti, ils peuvent contrer. Et le ballon continue de lui coller au pied. Il est passé. Il tire. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. C'était obligé de se terminer comme ça. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. T'as fini l'eau ? Ouais. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Il y va tout seul. C'est joué long. La frappe ! Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. C'est joué long. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. En dribble, c'est bien fait. Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. Et il allait être dégoûté. Franchement, on le comprend en plus. C'était tellement bien amené. Ce sera le premier corner du match. De la tête. Voilà. Le but. Corner, évidemment, il en a profité. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but.
Tu vois, on allait manger, j'aurais plus de papier. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Alors là, chapeau, hein. Voilà une superbe réaction. Ils ont su rebondir immédiatement après ce but encaissé. Le ballon dans la profondeur. Mais non, hors jeu. Il y a peut-être un coup à jouer. Il tente de la jouer dans l'espace. Attention, la frappe. Long ballon dans le sens du jeu. Le Torino qui peut avancer. Allez, le ballon piqué sur le côté. Un bon... Oh, le joli coup de tête. La parade spectaculaire. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Duda. Il revient dans l'axe. Il peut y aller. Et le cadre se dérobe largement. C'est allé très très vite. Dommage qu'il n'y ait pas but derrière. L'ouverture lumineuse, bien la profondeur, énorme occasion. Et go! Quel comeback! Superbe combinaison, ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés. Avec un petit but d'avance. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans va-tout. Et pourtant, ils vont devoir tenir. Abel Hernandez. Il peut frapper. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Un peu de coaching, c'est bien. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Le gardien loin devant. Bonne intervention. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. Le Torino qui a réalisé un véritable exploit sur le fil. Moment exceptionnel. La première période est donc terminée. Qu'en avez-vous pensé? Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord. Quel match! On a des buts, un scénario un peu fou, un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. 3 buts en première période, mais ils sont menés 2 buts à 1. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Abel Hernandez. C'est joué dans l'espace. Quelle occasion, attention! Oh, but! Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Déjà un mix-up avec mon cœur. Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait faire. En tout cas, ça finit au fond. Il va découper la file. Deux buts d'avance, ça fait du bien. Oui, on les imagine un peu plus sereins.
C'est bien d'avoir creusé l'écart, mais je pense qu'ils vont chercher à tuer le match maintenant. La longue passe, il peut en profiter. Arrière au dos. Long ballon. Bonne interception, il y avait danger. Il cherche la profondeur. Il allonge vers l'avant. Le bon jaillissement. C'est une occasion, ça. Il peut récupérer une deuxième chance. Ça fait but. Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Et quelle faute de main du gardien. Face à ce genre d'attaquant, ça ne pardonne pas. Et c'est donc son deuxième but de la compétition. Et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant. Ils n'ont peut-être pas brillé en première période, mais ça va mieux maintenant. Plus qu'un but de retard. Allez, c'est dangereux. Oui, c'était puissant. Ça joue long vers l'avant. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Dans la profondeur. Il est bien placé. Et le ballon a franchi la ligne. C'est l'occasion de procéder à un changement. C'est du harcèlement. Je crois qu'ils en ont surtout marre de le voir tirer aussi souvent. Oh, oh, la frappe! C'est osé. En la profondeur, bien vu. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Le ballon s'en touche. Le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Oh, la frappe! Aucun danger pour le gardien. Oh, il faut le garder à l'œil celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense, mais sa frappe manquait de conviction. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Et dégagement du gardien. Bien joué de la part du défenseur. Corner. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Oh, la main ferme. Quelle passe. Faut que ça va partir vite. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. Ça joue long. Il l'attente. Parade, super. Un grand dégagement le plus loin possible.
deux buts de retard, ça a été quasi impossible pour eux. C'est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Il allonge. Jusqu'au bout. Ils sont passés tout près d'égaliser. Il évite l'égalisation, c'est bien joué. Instant à tenir. Da. Ça peut faire mal. C'est repoussé. Dommage, c'était la balle du break. Va-t-il en profiter? Ouais. Il s'impose physiquement dans ce duel. Vujic. Castanos. Dans la profondeur. Le jeu repart vers la droite. Il y a peut-être un coup à jouer. Il y a danger. Dans la surface. Mais non, ce sera un 6 mètres. S'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Et il jaillit pour prendre ce ballon. La tentative ! On s'arrêtera là.